de ma famille, j'espère que vous allez bien. Je parle doucement parce qu'il est tard et qu'il y a des voisins. Je viens tout juste d'arriver chez ma grande sœur. Aujourd'hui, je me suis levé à 7h du matin. J'ai fait Montpellier, Paris, la Paris, Lyon. Demain matin, j'ai un avion très tôt. Enfin, c'est un délire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut que je réagisse à quelque chose qui me semble très très important. Alors, s'il vous plaît, la famille, je vais vous demander d'être très attentif et surtout de faire, de partager cette story comme il se doit. Parce que, enfin bref, écoutez bien la story qui arrive. J'ai été très occupé hier parce que j'ai rajouté un dossier à ma sauce, à savoir Mélanite et Romain. Et à côté de ça, je préparais mon départ pour Istanbul parce que je ramène mes grands-parents à Istanbul, je vous raconterai demain. Et ce qui fait que, je vous avoue que j'ai pas trop calculé la story des autres. J'ai vu qu'après mon live, il s'était pas exprimé jusqu'à TPMP. Et puis aujourd'hui, j'ai commencé à ouvrir, enfin là dans le train, j'ai commencé à ouvrir certains de vos messages. J'ai vu que pas mal d'entre vous m'envoyaient des bribes de leur story. Et j'ai trouvé ça choquant. Donc je vais me permettre de réagir. Je suis vraiment désolé la famille, j'ai reçu un coup de fil et ça a tardé. Ce que je voulais vous dire, s'il vous plaît, est partager un maximum et surtout enregistrez bien, ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Soyez plus intelligent que ça. Ne me dites pas que vous n'êtes pas en train que vous voyez pas là, leur tentative désespérée de détourner l'attention, de vous mettre de la poudre aux yeux en vous parlant de oui Magali, je sais pas quoi, oui Noémie, la Sarah, je sais pas quoi. Vous voyez pas? Ben, si vous ne voyez pas, je vais vous faire voir. Alors écoutez bien, s'il vous plaît, ça va être rapide. Je vais commencer par ce qu'a dit Hicham à propos de Noémie, puisque ça me concerne, et qu'en effet, comme il l'a dit à l'époque, j'ai sorti comme quoi elle était partie en prison, etc. Il faut savoir que c'est vrai, elle est partie en prison, et je regrette de l'avoir sortie. Pas parce qu'aujourd'hui on s'entend bien, c'est pas pour ça que je regrette. Je regrette parce que elle est partie en prison, à l'époque je crois qu'elle avait 16 ans et demi, elle a fait des erreurs de jeunesse. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire des conneries, désolé Maros si je me trompe, mais elle a la trentaine. Et quand on connaît sa vie et son parcours de vie, je trouve que c'est quelqu'un d'exemplaire. Je m'explique. On a tous un passé et on a tous fait des erreurs de jeunesse. Certains plus grosses que d'autres, bien sûr. Et aujourd'hui, quelques années après, quand vous regardez le constat, Noémie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la bonne parole. Elle se mêle pas des affaires des gens. Elle s'est convertie à la religion. Elle a eu la chance de vivre limite plusieurs vies, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance. Aujourd'hui, elle mène quand même sa best life, et elle pourrait se servir de sa notoriété pour faire de la merde, comme c'est le cas là avec Hicham, Dylan, toute la clique là, Ahmed, etc., qui font de la merde et qui utilisent leur notoriété pour faire de la merde et que de la merde. Mais c'est pas ce qu'elle fait. Donc mille fois, je préfère une personne qui a fait de la merde dans sa jeunesse et qui aujourd'hui sait ce qu'elle fait et qui est droit dans ses baskets, qui montre l'exemple, que des personnes qui à l'époque étaient tranquilles et qui aujourd'hui, qui ont un petit peu d'argent et un petit peu de notoriété, font de la merde et donnent le mauvais exemple. Écoutez la vidéo, la famille, elle s'est convertie à la religion musulmane, j'ai oublié le musulman, mais tout ça pour dire qu'elle essaie de prôner la bonne parole, de faire le bien autour d'elle, et il n'y a aucune vidéo d'elle qui est sortie dans un contexte sale comme le vôtre. Donc est-ce qu'elle a fait de la prison quand elle avait 16 piges, c'est-à-dire il y a 16 ans, peut-être, mais aujourd'hui, quand vous regardez qui elle est, qu'est-ce que vous avez à lui reprocher à cette fille? Par contre, vous, qu'est-ce qu'on a à vous reprocher? C'est l'image de bon samaritain que vous vous donnez sur les réseaux sociaux et les ordures que vous êtes en réalité. Et ça, c'est une réalité, parce que c'est une vidéo qui date d'il y a quelques mois. Enfin bref, moi c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître et que j'aime vraiment beaucoup. Je lui ai même proposé d'être chroniqueuse dans mon émission et j'espère qu'elle acceptera. Par rapport à Dylan qui parle de Magali, c'est pareil. Magali ci, Magali ça, Magali... Alors je suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux ou je sais pas quoi, même si il y a des choses, c'est tellement absurde. Mais pourquoi t'en as pas parlé il y a 2 mois, 3 mois? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi là maintenant, là tout de suite? Magali Berdah et ses candidats et... Ok, c'est cool. La polémique Ilan, tu parles de la polémique Ilan, la polémique Greg, bah, c'était il y a quelques mois. Pourquoi tu t'es pas réveillé à ce moment-là pour dénoncer? Pourquoi c'est maintenant que tu t'es décidé de dénoncer? Parce qu'elle a pris la parole, mais elle t'a pas cité. Toi, tu la cites pourquoi? Parce que t'es malin, que t'es en train de mettre de la poudre aux yeux aux gens, tu sais que ça va faire parler, parce que c'est Magali Berdah, donc oui, ça fait parler. Et du coup, les gens vont un peu t'oublier par rapport à ce que tu viens de faire. Et le pire, c'est qu'il y a certaines personnes avec qui ça marche. Mais c'est pas ça la famille, la vie. Faut pas oublier, c'est trop grave. La vidéo qui est sortie, c'est jamais sorti, c'est quelque chose de choquant. Ilan, on a parlé d'une vidéo avec une meuf pas consentante et tout. Il y a certaines personnes qui l'ont vue, cette vidéo, dont moi, mais elle n'est pas sortie. Donc ça reste notre parole tant qu'elle ne sort pas. Et la seule personne qui l'a, c'est Seb, donc Sebidadji, donc je ne pense pas qu'elle sortira un jour. Greg, ben, ça reste des spéculations et des rumeurs tant qu'il n'y a pas de vidéo, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes. Par contre, vous, ce n'est plus des spéculations. Quand Jazz, elle a fait comprendre des choses, quand Sarah disait « oui, il m'a frappé, machin », quand Fiji, elle a fait comprendre des choses, c'était des spéculations, il y avait des gens qui avaient des doutes. Mais là, il n'y a plus aucun doute sur la personne que vous êtes. Donc arrêtez de vouloir enfler les gens, là, à leur mettre des paillettes aux yeux, mais vous êtes des malades. Oui, et lui. Depuis quand vous êtes devenu blogueur, vous? Surtout quand on parle des autres, on s'assure d'être irréprochable. Parce que Hicham, dire oui, un tel, elle a fait de la prison quand toi-même tu en as fait, bah, c'est ridicule. C'est comme si un assassin croisait un assassin et lui disait « ça l'assassin de ça l'assassin ». Ouais, toi aussi. Donc, tu devrais juste fermer ta bouche, sachant que toi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et elle, c'était il y a toute une vie, quoi. Il y a 16 piges. Donc bon. Et puis, encore une fois, je vois pas l'intérêt si ce n'était détourner l'attention de la merde dans laquelle tu es. Alors, Dylan, lui j'en parle même pas. C'est le tapin qui se fout du trottoir, lui. Bref, dans ma prochaine émission, de toute façon, je vous réserve une belle surprise. Ça va être une spéciale Dylan Thiry. Je vais lui faire honneur, tiens. Tu vas kiffer, tu vas voir. Je vais terminer, après je vais encore pleurnicher. Wallah, je suis là pour vous. Sur ma vie, je suis là pour vous. Et c'est pour ça, Nabil, quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, je lui disais, on va y arriver. On va défendre des vraies causes jusqu'à se mettre des gens qu'on côtoie à dos. Non, je veux que des gens bien dans mon entourage. Vraiment. Et vous savez que ce que j'ai défendu là, cette semaine, il y avait... la moitié, c'était mon groupe, hein. Mais je peux pas accepter ce genre de personnes dans ma vie parce qu'ils vont à l'encontre de mes valeurs et de mes principes. Je veux pas faire semblant. Ah, je t'aime bien, hein. Tu frappes des meufs derrière, non, merci, je me suis battue assez dans ma vie pour avoir ces gens-là malsains dans ma vie. Ok, je vous dégage et je serai sur votre dos. Voilà, j'ai trop parlé, putain. Mais je vous jure que je parle tout le temps comme ça dans la vraie vie. Ouais. Mais je le fais pas sur mes réseaux et c'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois on me le dit. On dit Maya, t'as des... tout ce que tu nous apportes dans notre vie, tu le montres pas sur les réseaux à part l'agressive. Et j'ai envie d'être plus ouverte, plus parler, plus... Voilà. Le 22 mai, le 22 mai. Je vous aime.